chanson sur le tric-trac galant. Je veux vous apprendre son livre et sans almanach. Un jeu facile à comprendre. Un nouveau jeu de tric-trac. Il faut, suivant la chance, mettre les dames en bas. C'est par là que l'on commence, sans quoi l'on ne casse pas. Quand on est su les abattre, on les pousse encore un peu. Pour avoir de quoi combattre, il faut étendre son jeu. Si votre partie adverse craint et ne s'avance point, que votre savoir s'exerce, abattre vite son coin. C'est par le coin que l'on s'ouvre, l'entrée aux causes importantes. On passe une dame, on couvre, on avance, on met dedans. Mais ne faites point d'école, n'oubliez point à marquer. Jamais on ne se console d'être assez sourd pour manquer. Pour faire de grands vacarmes, n'avoir jamais le dessous, il faut mener des carmes, car ils font les plus grands coups. L'autre jour, grand Dieu, quel charme, quel plaisir d'y songer. Je vis prendre par un carme 5 ou 6 trous sans bouger. Une fille jeune et vive ne peut modérer son jeu, ni, quand un beau coup arrive, garder un juste milieu. Elle pousse un peu trop vite, et son jeu se serre en trop. On l'enfile tout de suite, et l'on va le grand galop. Si par heureuse fortune, en l'absence d'un époux, vous jouez contre une brune, soyez bien sûr de vos coups. Surtout point d'étourderie. Et prenez bien votre jour, car on manque la partie, souvent par un genre de retour. »